12e et la 13e méga campagne de salut, de guérison, a tenu toutes ses promesses au stade armé de l'air de Niala Château, situé dans le 3e arrondissement de Douala, et le petit terrain de Bonamoussadi Village, 5e arrondissement, placé sur le thème « Viens et vois, Jésus n'a pas changé ». Ces rendez-vous de proclamation de l'évangile a permis au pasteur Martin Fatélé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala, de présenter l'évangile à plus de 1580 personnes pendant 6 jours, précisément du 14 au 19 février 2024. L'événement a pris une allure de fête de l'évangile, de bénédiction, de visitation, de réveil et de salut pour les populations de Niala et Bonamoussadi, venues par centaines. Les frères ont secoué les deux quartiers avec l'évangélisation, distribuant des invitations, traitées et utilisant le mégaphone pour transmettre le message. Utiliser ce mégaphone pour interpeller davantage de personnes afin qu'ils quittent de ce côté-là pour venir du côté des pêcheurs, pour venir du côté de la campagne. Et ça a porté du fruit. Vraiment, beaucoup sont venus par cette interpellation. Nous rendons grâce au Seigneur. Pendant que le prédicateur était en train de prêcher l'évangile, l'équipe d'intercession se tenait avec lui tout le temps du message et la présence du Seigneur était manifeste et palpable. Pendant les 6 jours, le Seigneur s'est manifesté puissamment dans les 2 sites. L'équipe a enregistré au cours de cette campagne 114 miracles du salut, 21 miracles de guérison instantanée. Quelques convertis n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Dès mon premier entrée dans ce stade pour l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus, je suis rentré étant ravi, avec amour et joie. Arrivé à la maison autour de 22h, ma belle-mère, à l'âge de 86 ans, était déjà couchée. Je causais avec mon épouse. Quand elle a entendu ma voix, je parlais de l'évangélisation qui s'est passée ici et que j'étais avec sa fille. Elle a été très émue, elle a pris son bâton et s'est amenée au salon. Nous avons causé ensemble près d'une trentaine de minutes afin que nous soyons partis se coucher. Je suis vraiment content ce soir parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Et j'accepte la communauté dans ma maison pour les enseignements bibliques, pour restaurer ma maisonnée, ma famille et tout le reste de l'assemblée aussi. Le cap est désormais mis du 24 au 26 février prochain au quartier village Bonne 10, une périphérie de l'arrondissement de Douala 3e. Adieu toute la gloire.